Et bonjour YouTube, nous nous retrouvons pour la suite de nos aventures sur Spider-Man, Miles Morales, j'allais dire Miles Morales, mais le jeu Miles Morales n'existe pas. La suite donc de nos aventures sur Spider-Man Miles Morales, j'ai complètement zappé de vous augmenter le son de la capture. Ceci est fait. Nous continuons. Nous sommes à 81% du jeu. J'ai checké vite fait les trophées avant de lancer la session. Et déjà, je vais me dégourdir un peu les jambes. Petite précision, il y avait bel et bien un trophée pour faire un combo à 100 et on l'a loupé de, je crois, 4 coups lors d'un, je sais plus de quoi, mais bon, voilà. Bon, à un moment donné, j'ai voulu le tryhard et comme ça, pour le plaisir. Et on aurait pu valider un trophée, donc c'est chiant. Tant pis, au pire je le ferai quand je ferai ma New Game Plus. Faut savoir aussi que y a un trophée pour faire une base ennemie sans se faire repérer. Donc plutôt laborieux à faire vu que ça demande beaucoup de temps. Donc ça c'est un truc que je ferai de mon côté aussi. Après j'ai vu, il y avait un trophée par rapport à la phase avec Rhino au tout début du jeu où je crois qu'il faut percuter 15 objets. Donc ça, bon, bah, malheureusement, ce sera dans la New Game Plus. Hein. Et alors, je crois avoir vu un autre type de collectible via les trophées. Mais par contre, je crois que nous, il nous reste plus que deux chapitres à faire. C'est un peu de temps avant que Genki localise Finn. Je devrais regarder si quelqu'un a besoin d'aide sur l'appli. La personne a besoin d'aide sur l'appli. Ok. Niveau supérieur. Ok. Niveau supérieur, nous sommes niveau 18, donc... Là, par contre, le niveau max va être compliqué à atteindre. Ok, ok. Oui, donc Finn qui avait pété un câble en mode... ouais, bon, tu me saoules, c'est bon, la prochaine fois, je te bute. Bon. Grosse ambiance. Ça, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Bon, ben voilà. On est pas mal. Je suis pas sûr qu'on puisse débloquer quoi que ce soit. Non. Ah oui, le reste des modes qui me restent à débloquer. Ah non, il y avait comme ça. Ouh là là, oui, jeton d'activité. C'est quoi ça? Ah oui. Ok, bah faut faire une activité tout simplement. Et ben bah, on va essayer de faire un crime pas validé à 100%. Véhicule volé. Il reste que celui-là, le fameux. Course poursuite. Je dois faire vite avant qu'il y ait un accident. Le tryhard. Ce putain de véhicule volé. Alors faut vraiment que je fasse gaffe. En plus bon bah là c'est le début de session donc je suis pas chaud. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Oui, par contre, j'ai pas vu de trophée concernant les jalons. Donc pour faire tous les pirouettes, les sauts, etc. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin. Il y a des trucs un peu chiadés à faire, mais il n'est pas si sûr que ça. J'espère que tu tiens mieux que tu conduis. Dans quelqu'un. Je dois les arrêter. Il cherche Finn. Je devrais jeter un œil à l'appli en attendant. Ah merde! Quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide. Attends, dis-moi que... Cette course-poursuite commence vraiment à me courir sur le haricot. Ouais. J'aurais pas dit mieux. Bon, on va le tryhard, hein. Il nous reste plus que ça. Bon, il nous reste toutes les quêtes annexes aussi à faire. Bon, à mon avis, ça va pas être très très long. On fait savoir qu'on est jeudi. Foutez-nous la paix ! Quittez la route ! Arrêtez-vous ! Ils arrivent à me toucher alors que je suis en esquive, hein. Je devrais jeter un œil à la piste. C'est terrible ! Quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide. Je dois intervenir avant que quelqu'un soit blessé. Oh, en plus, ils ne me mettent jamais au même endroit. En fait, je peux pas le...
peux pas le cheese le défi au départ. Faut vraiment que la poursuite se lance. Donc oui, je disais, faut savoir qu'on est jeudi. Et donc bah, il me reste jusqu'à demain pour finir le jeu. Normalement ça passe large, je me demande même si fin de journée on l'a pas terminé. Mais voilà. Ils m'ont touché. T'as eu l'impression? Ça a validé, c'est bon. J'étais caché dans les buissons, dans un café pas loin. Dégage, Peter Gamor. Alors, on va aussi faire un truc. D'accord, c'est bien. Faut que je garde impérativement double charge. Pas double charge. J'avais pas d'autre charge à côté. Voilà. Et donc là, ça. Ah non, ça marche pas. C'est validé. Bon. C'est pas comme ça que je le voyais, mais ça s'est bien passé quand même. Bon, ben voilà. Dans votre ville, la prochaine fois. Maître du crime. C'était. Ok, bon, on a validé deux trophées. Nickel. Allô? Le scénario? J'ai tout fini? Ah. Eh, hey, j'ai trouvé la cachette de Finn, le forum des sciences au Scorp. Fermé pour rénovation. Oh. Le convertisseur d'énergie avec lequel on a gagné l'expo science à l'école. C'est avec ça qu'elle va finir de rendre le Nuform instable et faire sauter Roxxon Plaza. Waouh. On dirait presque qu'elle a fait exprès pour se venger de toi. C'est peut-être le cas. Merci, Ganki. C'est normal. Bon, je dois aller aider ta mère à évacuer Harlem. A plus. Ok. Forum des sciences au Scorp. Il faut que Finn sache ce qui va arriver si elle applique son plan. Et si elle m'écoute pas, je volerai le Nuform. Je le détruirai s'il le faut. Bon, j'ai continué de checker les VOD. Et les VOD, vraiment, elles ont une qualité de taré. Hein. Alors que j'ai rien changé. Hein. C'est juste que le jeu fait que c'est comme ça. Mais sachez que là, la qualité des VOD que j'ai sur Spider-Man Miles Morales, les réglages, tout est identique sur tous les autres let's play. Hein. La tente attendue, tempête du siècle arrive. Et il va y avoir un vent à décorner les cocus. Assurez-vous d'avoir suffisamment de provisions. Mes fidèles auditeurs auront déjà fait le plein de Jameson Bacon, qui dure plus longtemps que des retrouvés radioactifs. Dans un tout autre registre. Si vous aviez prévu de faire découvrir Trinity Church à vos parents, j'ai une mauvaise nouvelle. Comment on fait le mode photo? Certaines parties de cet édifice emblématique ont été réduites en miettes lors d'un énième affrontement entre Spider-Man et Tinker. Mode photo. Heureusement, Roxxon a rapidement pu sécuriser la zone. À l'heure qu'il est, on a perdu la trace des deux menaces masquées. Mais le plus important pour l'instant, c'est que Roxxon a généreusement offert de financer toute la restauration de l'église. Même s'ils n'ont absolument rien à voir avec l'incident. Voilà. Voilà exactement le genre de geste désintéressé qu'on attend en cette période de l'année. Roxxon est maintenant sur ma liste des enfants sages. Je vous laisse deviner les noms qui figurent sur ma liste de méchants. Ils commencent tous par Spider et finissent par Man. Ok, je fais ça pour un trophée. Hein. Ah, il y a masse...
un truc à faire. Oh! Tellement vénère. Comment valide? Bon, le sticker. Ouais, je crois qu'il faut que je mette un sticker. Là. C'est bon? Comment valide? Comment valide tout? Non! Faut que je mette un sticker, un éclairage personnalisé. Mais... Voilà! Comment on fait pour enregistrer cette daube? Ça va, heureusement que j'ai dit qu'on n'avait pas le temps. Faut peut-être juste que j'enlève... Attendez. Vignette, non? Voilà. C'est bon. C'est juste ça. Voilà. La prise de chou. Bon, les crimes, on n'a plus à s'en soucier. Tout est validé. Il nous restera quelques quêtes annexes quand même. Et d'ailleurs, pas beaucoup. Hein. Combien il nous en reste des quêtes annexes? Ah, il nous en reste que deux, hein. Je check un peu toutes les zones pour voir. Mais attendez, mais il parlait de cartes postales dans les trophées. Sauf que ça n'apparaît pas. Oh là là, ça se trouve c'est des collectibles... Des collectibles cachés? Ah. Bon, si c'est ça, je le ferai dans mon coin. Attendez, je suis en train de capoter, mais j'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé. Ah, c'était peut-être dans un trophée caché. Dans le doute, je vais pas le faire. Je vais pas regarder. Oui, parce que j'ai regardé un peu... Alors, j'évite de regarder les trophées masqués que j'anticipe comme étant les trophées liés au scénario. Par contre, il y a d'autres trophées masqués bah, justement liés aux achievements secondaires. Ça, bon, des fois, je regarde... D'accord. Faisons comme ça. Je me planque. Je suis pas Spider-Man juste quand ça m'arrange.
Je dois arrêter Finn. Non, tu dois vivre. J'essaie de te le faire comprendre, mais tu n'écouteras rien. Si tu t'inquiètes autant pour moi, pourquoi tu m'as balancé à Krieger? Je t'ai pas balancé. Ouais. Je suis sérieux. Ils étaient pas censés t'emmener. Krieger me l'avait promis. Tu veux refaire partie de la famille? Et t'as rien trouvé de mieux à faire? Je t'ai sauvé la vie. Tu m'as enfermé. Pour ta protection. C'est comme ça que tu me protèges? Bon sang, Miles. Je veux pas te perdre aussi. Et moi, je veux pas laisser des gens mourir juste pour sauver ma peau. Tu m'as sous-estimé. Aïe, aïe, aïe. Miles, non. Mais non. N'essaie pas de lutter. J'ai pas envie. Mais je peux pas rester dans le trou. Alors je fais ce que j'ai à faire. Pour me protéger. Oh merde. Son camouflage. Je dois le faire crier. Oh, il est balèze quand même, hein. Le problème, c'est toi! C'est toi qui as peur! Ne me mets pas ça sur le dos! Quand est-ce que tu vas comprendre que je suis obligé de me battre pour cette ville? Et toi, quand est-ce que tu vas comprendre? Ah, bon, bah, désolé, je suis trop pété. Pas. Je suis le seul à vouloir te sauver! Et moi, je veux sauver tous les autres. Quoi ? Mais... il se met en surcharge, le con. Bah ouais, mais qu'est-ce qui me... Laisse tomber, mon vœu. Tu comprends pas comment ce monde marche. C'est la jungle. Mais on peut changer ça. Je dois pas m'approcher de ces trucs. Mais putain. Va-t'en! C'est à côté de la plaque! Il ne touche pas tout pour toi, jamais pour les autres! C'est peut-être pour ça que je suis encore en vie! Je ne peux pas contrer tous mes trucs! Tu te lances dans un combat que tu peux pas gagner! Tu sais qu'il faisait ça aussi? Ne parle pas de lui! Tu veux que ta mère s'en trouve toute seule? J'empêcherai ça! Les hologrammes? Encore des sacrés de tes copains, cher Hobson! Moi je m'adapte! Toi tu t'essouffles! Tu es trop naïf, petit! Tu n'es qu'un gamin qui admire plus normal! Non! Je suis le gamin qui inspire les autres maintenant! T'as jamais voulu accepter que je sois Spider-Man, que je dois prendre des risques. Mais MDR. C'est vrai, je veux plus voir des membres de ma famille mourir en jouant les héros. Jusqu'où est-ce que ça va aller? Tu vas te faire tuer pour prouver que tu mérites de porter ce masque. S'il faut aller jusque-là. Allez! Fais-moi un indice! Miles, je t'en prie, ne fais pas ça! Ne va pas gâcher la vie! Je fais ce que je dois faire!
une famille. Une famille? Ça t'a pas empêché de me mentir, de me manipuler, de me combattre? Être une famille, ça suffit plus. Je veux pas que ça se termine comme ça. Qu'on devienne ennemis, toi et moi. C'est déjà ce qui est arrivé avec ton père. Je veux pas que ça recommence. Moi non plus. Mais je serai jamais celui que tu veux que je sois. Je peux pas laisser tomber les gens qui ont besoin de moi. Je dois être meilleur que ça. Ah là, terrible! Ganty, mon oncle vient de me kidnapper. Il m'a enfermé. Hein? Ça va? T'as rien? J'ai dû me battre contre lui. À la fin, je lui ai dit que je voulais plus le voir. Jamais! Je suis désolé. Ça a pas dû être fait. Il m'a pas laissé le choix. Je me dirige vers le Forum des Sciences. Appelle-moi si ça chauffe à Harlem. Ça marche. Bonne chance, Spider-Man. Bon, Ouais. Putain, je suis même pas sûr que d'ici la fin du jeu, on ait le temps de faire tout, en fait. Enfin, d'avoir toutes les compétences. Parce que là, on a eu un... c'était une quête, c'était le scénario, on a eu un trophée. Je crois qu'il nous reste un trophée. Peut-être que, en fait, on termine le jeu dans cet épisode. Mais il y a les quêtes annexes aussi. Là, il y a deux quêtes annexes qu'on n'a pas. Donc peut-être que c'est des quêtes annexes endgame. Bon, on les fera ensemble, c'est le cas. On va essayer de faire le maximum ensemble. Hein. Après, je crois que j'ai loupé un truc. Votre dernière chance de procéder à des améliorations avant la conclusion de l'histoire. Ben, on va y aller. Mais je crois que j'ai loupé aussi un truc secondaire à faire avec Finn. Donc, ça devait être au tout début du jeu. Donc, bon. Ça, par contre. Le musée a fermé pour rénovation et l'underground s'est tapé l'incruste. Finn doit être à l'intérieur. Oh là là. J'espère que je serai là pour voir l'explosion. Ça va. Vous êtes un milliard. Non, ça va. Ils sont pas si nombreux que ça. Pour l'instant. Ah oui, il y a les deux snipes, là-haut. Peut-être m'occuper des deux snipes d'abord, non? Je sais pas s'il y a un monde où je peux m'occuper. Ah. J'ai hâte d'en avoir fini avec Roxanne. On puisse se diversifier un peu. Obligé. Bon, ça déjà c'est fait. Ouais, faut que je batte tout le monde. On va essayer de s'occuper de ce qu'il y a à l'extérieur. Tout prévu comme ça. Allez, salut. Bah, coup de baston, hein, j'ai pas le temps.
C'est vrai que c'est pas très RP finalement de... Mais il esquive tout. Mais putain, il esquive. Ok, y'a que celle-là que je peux... Ah bah super. Ah bah... Oui, alors là on va avoir un problème. Là on va avoir un problème. Y'a pas des, des mines à placer? Y'a totalement des mines à placer. Allez-y. Allez voir. Ouais, parce que je dois faire, je crois, 50 kills avec les mines télécommandées, sauf que c'est beaucoup. À moins de tout le temps faire une base. Voilà, déjà. Donc par exemple faire ça. Merde. Oh. Vous êtes combien encore? On voit pas, hein. Mais bon, c'est un peu long. Toi. Ok, il y a des ennemis qui anticipent ça. C'est marrant. Ah ouais, bah c'est con parce que là l'IA est développée à la fin du jeu. Alors je peux arnaquer un truc. Non, je vais rien arnaquer du tout, ça me saoule. Allez. Non, c'est pas cul. C'est le plan cul. Je sais pas si j'ai la range, si je suis là. Totalement. Et paf. Ok. Voyons quel genre de sécurité vous avez. C'est le même genre de barrière qu'au James Theater. Mon dieu. Dans ces abris. Qui sont verrouillés. Et hors tension. Il faut une nouvelle source d'énergie. Ce mobile géant qui tourne, par exemple. Yeah.
Hein? Oh non. D'accord. Trop loin pour mes toits. Ouais, ça ira. Mais non, c'est de la merde. Pas aligné. Oui, non, mais attends, il va dire que c'est trop loin là. Ça passe? Ça passe pas, hein. Mais merde! Censé faire comment? Ah, mais d'accord. Attendez. C'est peut-être pas parfaitement... Oui, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Oui, d'accord, oui. Forcément. Très premier degré, hein. Gagné. Collante et conductrice. Bon, de 1. Et de 1. Ça fait du bien. Et donc après, je suppose qu'il va falloir que je cancel. Ou pas? Pas du tout. Ah, ça a pas marché? Quoi? C'est sûr, ça va marcher. Ah, je pensais que vous alliez me faire un micmac. À part que je tourne plusieurs fois. Ça marche. Encore deux. Oh, bah visiblement. Hein. Hop là. On n'a rien vu. Ah. Ah. Oui, donc là, par contre, il va peut-être falloir que je le cancel, non? Ah, mais non. Mais. Mais. Bon, juste au passage, hein, vraiment la VF, donc l'acteur de doublage qui fait Cartman dans South Park, j'ai absolument rien contre lui. Je le trouve exceptionnel dans South Park, même meilleur que l'original. Enfin, après, ça c'est mon avis. Mais par contre, ça dessert mal, je trouve, Miles Morales. Hein. J'ai beaucoup de mal. Hein. Ça fait un poil trop neuneux en fait par rapport à. J'ai du mal. Super. J'ai hâte de casser les jouets de l'Underground. Je me rappelle quand on a gagné l'exposition, c'est que notre convertisseur a été exposé ici. On était tellement fiers. Ouais. Une cachette de l'Underground? Alors c'est la deuxième qu'on trouve via le scénario. J'espère que j'en ai pas oublié. Vite. Allez, faut en finir. C'est entre toi et moi. Elle doit être avec notre projet, au bout du couloir. Ouais. Ouais, je suis désolé, je suis un peu dissident, il y a une mouche qui vient me casser les couilles.
Je sais pas pourquoi je sens qu'on va finir le let's play dans cet épisode. Hein. Ou l'épisode d'après. Un poil déçu de la durée de vie, hein, du coup. Mais je le savais. Le jeu de la fusée. Qui a gagné, elle ou moi? Ça n'a plus vraiment d'importance. Si, ça a de l'importance parce que c'est lié à... C'est lié à un trophée. Nom de biche. Bordel. Faut peut-être aller à un endroit particulier avant hein, pour le faire. Sûrement. Je veux voir notre projet avant qu'on meure de vieillesse. Les innovations de demain prennent vie dès aujourd'hui. Attends. Y'a pas moyen de repartir en arrière? Ils nous ont mis où? J'ai le plan du musée sur mon téléphone. Notre projet est contemporain en haut. Ah, j'ai hâte de voir nos noms sur la plaquette comme des vrais scientifiques. Aujourd'hui, le Forum des sciences Oscorp. Demain, tous les plus grands musées du monde entier. Il y avait le même t-shirt hein, dans Spider-Man PS4. Hein. D'ailleurs, on voit qu'il est un poil plus jeune. C'est bien fait. Qu'est-ce qu'on fait? Eh, le jeu de la fusée, là! Rick arrive bientôt. Il vient de m'écrire. Il va rentrer dans le métro. Allez, astronome. Ça veut dire qu'il peut arriver dans 20 minutes ou dans 2 heures? En gros. Les fermes d'algues sont essentielles pour une vie saine et durable au fond des océans. De nombreux produits commerciaux utilisent déjà des algues cultivées à l'échelle industrielle, des colorants, produits pharmaceutiques. Je me demande quel goût ça a, les algues. Ça doit être comme le kale. Oh, je déteste le chou. Ce doubleur VF qui a été surexploité pour ce jeu, hein. Passage. Cette maquette combine à la fois le design d'un sous-marin et l'intégrité extrême d'un véhicule piloté à distance. Ce prototype d'Oscorp pourrait ouvrir à l'humanité de nouvelles possibilités d'exploration. Il nous en faut absolument un comme ça. On pourrait en construire un avec un aspirateur et des vieux pneus en se creusant un peu la tête. Même doubleur VF hein, qui fait Osiris dans Destiny 2 et Superman dans Injustice. D'accord. Pensez que vivre sous la mer relève de la science-fiction. Détrompez-vous. L'homme se sert d'habitat sous-marin depuis les années 60. Cette maquette représente un modèle de résidence subaquatique pérenne. Aujourd'hui, les New-Yorkais bâtissent vers le haut pour gagner de la place. Demain, nous irons peut-être dans le sens inverse. Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Des requins, du noir, des espaces confinés? Oui. Très peu pour moi. Tout à fait. Depuis le milieu du XXe siècle, les scientifiques imaginent toutes sortes d'habitations sous les vagues. Peut-être qu'un jour, en regardant par la fenêtre, vous saluerez le chatoyant poisson clown ou la mystérieuse baudroie. Celui-là, je vais l'appeler Howard. À ton tour. Léviathan. Trop bien! La Terre est plus vaste que ce que vous croyez. 95% de nos océans demeurent inexplorés et représentent potentiellement la prochaine frontière des habitations humaines. C'est bizarre de se dire qu'on en sait aussi peu sur notre planète. Ouais. C'est vrai. Merci de m'avoir emmené ici. J'étais jamais venu. Merci, la réduction étudiante. Ce scaphandre est l'un des premiers développés au début du 18e siècle. La première tenue de plongée résistant à la pression a été mise au point pour repêcher des biens ayant sombré. De nos jours, ces tenues servent aux sauveteurs, aux scientifiques et aux explorateurs. Tu crois qu'il me laisserait l'essayer? J'adorerais te voir essayer de marcher dans ce machin. Ça peut pas être pire que tes chaussures au bal du printemps. Oh, ça va. Les tiennes avaient plus de talons que les miennes. Viens, on va dans le grand hall. Le jeu de la fusée. Faut le trouver. L'expo temporaire est en haut. Voilà l'ascenseur. On a le temps de regarder le reste d'abord. Très bien.
À l'aide d'un alliage à mémoire de forme, métal intelligent, les scientifiques d'Oscorp ont mis au point ce prototype de métal, capable de changer de forme sans perdre son intégrité. Un jour, le métal intelligent pourrait servir dans toutes sortes de machines, et même chez vous. Wow, regarde! Du métal qui change de forme. L'idée est cool, mais c'est vraiment trop basique. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. Les innovations architecturales sont essentielles pour la survie de l'être humain sur d'autres planètes. Ce modèle d'habitation protégerait ses occupants des températures glaciales sur Mars. Hé, hey, regarde ça! Tu veux une maison sur Mars? Bien sûr! Si j'ai le droit d'amener mes micros, mes haut-parleurs, mon sampleur... Ils te laisseront pas prendre tout ça. Ils accepteront s'ils veulent du bon son sur Mars. Cette maquette met en scène une mission pour terraformer et coloniser Mars, notre plus proche voisine. Ce village est conçu pour puiser dans des ressources d'eau abondantes et résister à de très basses températures. La vie sur la planète rouge est bel et bien possible. C'est comme une petite communauté sur Mars. Ça manque de café et de street art. T'as, ce musée est incroyable, hein. Je suis pas très musée, mais... Oh, la fusée. Oh oui. Oh, on se fait une partie? Ah, oui. C'est à celui qui bourrine le plus. Donc tu déclares forfait? Ah bah non. Jamais. S'il faut bourrer. Quelle touche? Allez, plus vite. Allez, mets les gaz. Allez, 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 allez. Mais quoi? Vas-y. Mais quoi? Ouais, un point pour Phil. J'ai commencé trop tard. Bah attends, mais elle est trop cheatée, j'ai bourré comme un ouf. Mais quoi? Allez, dépêche! Ouais. Ah mais c'est en rythme. C'est en rythme. Ah, faut être rapide. Fin 2, Miles. C'est en rythme, je crois. Pas bourré. Allez, dépêche! Mais... Tu peux pas me battre. Rick m'a appris l'art subtil d'écraser les boutons. Mais attends, mais je comprends pas. Eh, Finn, ça rime avec la win. Hein? Le musée va fermer et toi tu seras encore là à jouer. Ok, ok. J'ai fini. De quoi? Attendez. Hey, bon. Ils nous ont mis où? J'ai le plan du musée sur mon téléphone. Notre projet est dans une expo temporaire en haut. Bon, je trace du coup. J'ai hâte de voir nos noms sur la plaquette comme des vrais scientifiques. Aujourd'hui, le Forum des sciences Oscorp. Demain, tous les plus grands musées du monde entier. Tu as rappelé papa? L'expo temporaire est en haut. Voilà l'ascenseur. Non mais attendez, je me mets à droite. Non, je peux pas. Je suis obligé de me mettre à gauche. Parce que attends. Le truc c'est que j'ai bourré comme un ouf et ça marchait pas. Par contre, oh, on se fait une partie? Ah, oh, c'est à celui qui bourrine le plus. Donc tu déclares forfait. En tapant en rythme, j'avais l'impression que ça allait plus vite. Jamais. Allez, plus vite. Allez, mets les gaz. Allez. Vas-y. Je sais pas, je comprends pas. Un point pour Phil. Je comprends pas parce que bon, je vais essayer de bourrer pour voir. Ça sent trois coups quoi. Allez, dépêche. Ouais. Hein, quoi? Ah, faut être rapide. Fin 2, Miles. Attendez. Parce que j'ai pas non plus envie de... Parce que là, tel que je suis parti, je vais... Je vais encore perdre. Et on va devoir se retaper la trotte, les dialogues, tout ça. Donc... Parce qu'il faut gagner, en fait. Merde.
Appuyez très vite sur Kara afin d'obtenir le trophée esprit de compétition. Genre, il n'y a pas de précision. Faut juste que je bourre ma vie. Mais vraiment, je bourre très très vite. Hein. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, bouge, 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 bouge. Allez, dépêche. Même pas quand même, c'est abusé. Je veux pas me battre. Rick m'a appris l'art. Style d'écraser les boutons. Eh, Finn, ça rime avec la ferme. Putain, mais je comprends pas. Bon, on le retente une fois et puis tant pis, sinon je le tryharderai dans mon coin. Hey, mais what? J'ai le plan du musée sur mon téléphone. Notre projet est dans une expo temporaire en haut. Ah, c'est un coup à niquer mon carré, ça. Je tâte presque à connecter l'autre aujourd'hui, manette juste pour faire ça. Et que je dois l'envoyer en SAV. Demain, tous les plus grands musées du monde entier. L'expo temporaire est en haut. Mais c'est abusé. Ouais, non, il y a que celui-là. Hein. Putain, c'est chaud. Oh, on se fait une partie? Ah, c'est à celui qui bourrine le plus. Donc tu déclares forfait? Jamais. Allez, plus vite. Allez, mets les gaz. Allez, 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 allez. Vas-y, 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 vas-y. Oui. Ah, je t'ai eu. J'ai trouvé un domaine où je suis le plus fort. C'est bon. Ça durera pas. On l'a. On l'a. Osef du reste. On l'a! Ce rover Oscorp, dérivé de modèles actuellement employés sur la Lune, peut être conduit manuellement ou opéré à distance. Idéal pour transporter des minerais et trouver des sources d'eau, le rover Oscorp rendrait possible l'exploration sur Mars. Il détecte les minéraux, il transporte des passagers dans des milieux toxiques. C'est de la folie! Tu t'imagines conduire ce monstre sur la cinquième? Dégagez les piétons! Attends, je vous le dis, hein, le mâchage de boutons, en vrai, ça me connaît. Hein. J'ai fait tellement de jeux où il y avait ça. Bon, ça restait longtemps, mais quand même. L'énergie solaire pourrait fournir nos stations, navettes et colonies extraterrestres en chaleur et en électricité. Ces autocollants Oscorp montrent à quel point les cellules solaires peuvent être souples et abordables. Allez-y, servez-vous. Oh, lumineux. Lumineux. C'est des panneaux solaires adhésifs du futur. Oh, lumineux du futur. Attendez. Il nous manquait ça, je crois, des et on est bon. SNF, publics et privés, explorent actuellement notre planète, le système solaire et la galaxie. Pour communiquer avec eux, les scientifiques utilisent des antennes radio pour envoyer et recevoir des messages dans l'espace environnant et interstellaire. Wow. Je parie que ça rend une qualité sonore de malade. Pas dans l'espace. Bah oui, y a pas d'air dans l'espace, donc y a pas de son. Vous avez vos entrées pour l'expo temporaire? Oh, notre projet est exposé. Je pensais pas qu'il fallait des entrées. Eh bien si, et c'est complet. Mais... je ne peux pas vous laisser monter. MDR. Quand même. Bon. Bon, faut qu'on trouve un autre moyen d'entrer. Elle a dit que tout était vendu. Dans l'espace, toi? Ouais, si c'était... mais tu vois cette porte? Le couloir derrière mène droit à l'ascenseur. On va pas risquer. On n'a pas le choix. Ils vont démonter l'expo demain. On n'aura jamais l'occasion Verrouillé. De la voir. Je reconnais ce genre de serrure. Si on éclaire à l'intérieur, ça s'ouvre direct. Les flashs de nos téléphones, ça marcherait. Mais ça porte pas assez. Ça marchera si on arrive à glisser un truc réfléchissant sous la porte. Un truc réfléchissant. Ça. Et polymorphe, ce serait l'idéal. Polymorphe? Tu veux dire qu'il change de forme? Alors comme ça, on se met à utiliser des mots compliqués. Ferme-la. Oh, regarde. Des miroirs solaires. Et ils sont autocollants. Parfait pour tromper un verrou sensible à la lumière. Il nous faut un truc qu'on puisse glisser sous la porte. Ah, ça, par contre, faut aligner la caméra pour chaque interaction. Je peux le modeler sur l'appli du musée. Quoi? C'est dingue ce truc. Ça y est, prends-le. Faut pas qu'on se fasse griller. C'est bon, on y va. Oh, désolé. Pas de soucis. Oh! Je vais mettre l'autocollant.
Mais là, il y a rien. Une porte à ouvrir. Vous regardez rien, les gars. Les outils externes communiquent directement avec l'ordi du module de commande. On pourrait répliquer l'idée, mais avec une interface neurale. Ça surchargerait la ligne centrale. Pas si on l'intègre par-dessus le maillage entier, via des points d'entrée multiples. Hmm. Tu crois que tu pourrais t'en charger? Avec du temps et des hectolitres de café? Absolument. Je m'occupe du café. Bien vu, Peter. Je n'y arriverai pas sans ton aide. On devrait retourner au labo. La pause déj est finie depuis longtemps. Oh, Doc, je suis désolé, mais je vais devoir m'absenter cet après-midi. C'est une urgence. Encore? Tu as des choses plus importantes à régler, Peter? Rien de grave, j'espère. Tu sais que tu peux m'en parler. Ça va, mais je suis désolé de vous fausser compagnie à nouveau. T'inquiète pas. Ton travail t'attendra tranquillement au labo. Merci, Doc. Ça va, je vous dérange pas? Ok, c'était en parallèle de ce qui se passait dans le premier jeu. Ou juste avant. Peut-être juste avant. C'est soit l'invention du siècle, soit un ratage total. Si un jour on ouvre notre propre labo de recherche, je l'appellerai comme ça. Invention du siècle ou ratage total, nous répondons à tous vos besoins. J'ai la lumière. Dis-moi quand l'autocollant est pointé vers le capteur que je l'allume. Personne ne nous regarde pour l'instant. On doit faire vite. Vous êtes vraiment discret, hein. Je tiens à le préciser. On n'a plus qu'à recommencer. Mais non. Faisons autrement. D'accord. Non, ça va pas. Ok. Mais... Ah oui, d'accord. Oh là là. Ok, c'est bon, c'est ça. On a réussi. Ça a marché. Allez, notre projet nous attend. Vous étiez super discret, hein. Infiltration réussie. C'était génial. Ah, oh, ça va me manquer de faire ce genre de truc avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, toi. Tu rentres à Brooklyn Visions la semaine prochaine, pas moi. Je vais pas m'envoler dans l'espace. On se verra encore. Tu seras occupé. Pas tant que ça. Je trouverai du temps pour nous deux. Non mais sérieux. Bon, allez. On va quand même pas se mettre à pleurer. Allez, viens. C'est super discret hein, aussi de faire descendre l'ascenseur alors que l'autre est juste derrière. Salut, pas. Allô, Mike. Salut, monsieur Davis. T'as le bonjour de Finn. Vous vous amusez bien? Vous penserez à prendre votre projet en photo? Papa, c'est pas important. Tu rigoles, c'est super important. Ok, ok, on prendra une photo. Bisous, papa. Ciao. On y arrive. Notre projet est tout au fond. Tu crois qu'ils ont installé notre convertisseur? Oh là là. C'est un peu le but, non? Par contre, il faut qu'ils intègrent de la biomasse, en lui donnant une poubelle, par exemple. Faut rien faire? Oh, mais y a tellement de trucs à analyser! L'énergie nucléaire nous est indispensable pour explorer l'espace interstellaire. Le rendement énergétique et les transports seront deux facteurs clés pour atteindre et coloniser des planètes aux limites du système solaire et au-delà. Le réacteur nucléaire de Scorp. Rick travaille sur un truc qui est censé remplacer l'énergie nucléaire. On est censé savoir ce que c'est? Non. Roxxon garde ça super secret. La culture en solution aqueuse de sels minéraux, que l'on appelle hydroponie, pourrait rendre possible l'agriculture dans l'espace. Je me demande si on peut faire pousser des fleurs dans l'espace. À mon avis, ils se concentrent plus sur la nourriture. Pourquoi? Tu vas impressionner quelqu'un? Vaut mieux être prévoyant. Au cas où je voudrais charmer une jolie astronaute. Super. Là, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus dans les jeux, qu'il y ait toujours le moment où on a le droit à la petite phase dans un musée. Ce moteur, exploité dans le programme spatial Apollo, est l'une des plus puissantes inventions utilisant du carburant liquide. Aujourd'hui, Oscorp s'appuie sur cette technologie afin d'optimiser le rendement énergétique et permettre l'exploration du cosmos.
Le plus puissant moteur fusée à ergol liquide et turbopompe jamais construit. J'adorerais construire un truc comme ça. Ouais. C'est lors du programme spatial Apollo que l'humanité a signé l'une de ses plus grandes prouesses, poser le pied sur la Lune. Depuis, les scientifiques rêvent de voyager, voire d'habiter au-delà de notre système solaire. Le module lunaire du programme Apollo ? Hé ! Ça sonnerait bien pour notre capsule temporelle. Il y a combien de missions Apollo en tout ? Il y en a eu 16 ou 17, je crois. Apollo 18. Ça me plaît bien. Attendez, deux secondes. Est-ce que je l'ai eu ? Attendez. Oui ! Deux secondes. C'est la mouche qui me bait depuis tout à l'heure. Je l'ai explosé. Putain, on finance vraiment les projets les plus cool. C'est ça ton boulot de rêve ? Scientifique chez Oscorp ? Non, je me vois pas bosser dans une grosse boîte. Mais en R&D, je dis pas non. Là, je suis devenu expert en chasse à la mouche, hein. Situé à l'un des deux points de Lagrange, dynamiquement stable entre la Terre et la Lune, la station scientifique Oscorp pourrait devenir un jour une résidence permanente pour les explorateurs et scientifiques humains. Ça doit être tellement cool de vivre dans une station spatiale. Faut que je te prenne en photo avec notre convertisseur pour ton père. Oui. Toujours postulé pour l'apprentissage en ingénierie chez Oscorp. Mais vraiment, le musée est trop stylé. Notre projet. On a tout vu ? On a tout vu. Oh, 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 waouh ! Regardez-moi ça ! Si jeunes et déjà des scientifiques primés. Y a personne qui nous a dit qu'on était dans l'expo spéciale. L'entrée est payante ? Comment t'es entré ? En achetant un ticket. Comment vous êtes entré ? C'est pas important. Eh, venez là. On va prendre une photo. Attends, faut que tu sois dessus. Tu nous as aidé à le finir. Ok, ok, je viens. Poussez-vous. Voilà. Dites diploïde. Je refuse de dire ça. Finn, il faut que tu saches. J'en ai marre de t'écouter. Alors, j'ai complètement zappé de faire un truc parce que je savais que c'était la fin du jeu, mais j'ai complètement oublié d'équiper cette tenue. Mais en fait, on va pas le faire. Parce que non, la tenue de base me convient très bien. Il faut que je lui dise pour le réacteur. Très bien. Très bien. Très bien. Faisons comme ça. Bon, ça suffit ? Non mais j'ai vraiment bidé là. Et ben voilà. Non mais... Bon par contre on est Mais j'esquive putain. Bon ben voilà. Bah vas-y. Voilà. C'est pas comme si j'esquivais hein. C'est que quand tu chines attaque électrique, on te la consomme pas. Je
Par contre, je suis vraiment que de la merde. Hein. Pour le final, c'est pas ouf. Hein. Voilà, j'ai fait que de la merde. C'est impressionnant. Oh non, pas ça! J'ai mon budget préféré! Pardon? Bon, et nous allons même nous arrêter là pour cet épisode et affaire à suivre. Donc, des bisous YouTube et à très bientôt pour peut-être la fin du Let's Play. Des bisous et portez-vous bien.